Sur les réseaux sociaux, les fans de Kenji Girac sont en état de choc. Ils ont tellement de mal à l'imaginer sans sa belle Soyara. Comment oublier le sacre de Kenji Girac dans l'émission The Voice? Pour toujours, il est la meilleure preuve que le télécrochet a un impact sur les futures générations. Du reste, que des années après, TF1 lui renvoie à l'ascenseur et lui offre un cadeau exceptionnel. Il devient lui-même coach. Ses disques s'écoulent des milliers d'exemplaires. Les places de ses tournées se vendent comme des petits pains. De quoi a-t-il besoin encore pour être heureux? C'est pourquoi la rédaction a décidé d'enquêter sur ce phénomène. Ce que vous allez découvrir va beaucoup vous surprendre. Une publication partagée par Kenji Sozo, @KenjiZorea. Grâce à nos confrères, mais aussi aux réseaux sociaux, nous savons de sources sur que le cœur de Kenji Girac est pris. Désolée mademoiselle, si vous comptiez le séduire, ce n'est pas la peine de vous acharner. D'ailleurs, l'élu que son âme a choisi, à savoir Soraya, assiste depuis longtemps au concert. Donc, elle veille au grain et désingue celle qui essaierait de passer entre les mailles du filet. Dans ses textes et même sur le plateau de The Voice, on comprend qu'il possède un lien fort avec sa famille. Aussi, on se demande bien si elle a trouvé sa place. Là encore, la réponse est oui. Elle a réussi à se faire adopter par toute la communauté. Une publication partagée par Kenji Sozo, @KenjiZorea. Dans les colonnes de Public, les journalistes la découvrent comme la femme parfaite. Regard gris vert, sourire éclatant, crinière d'ébène, Soraya Miranda a tout pour elle. Elle a même fait des études supérieures et donc peut combler les lacunes de Kenji Girac. Obligé d'arrêter l'école tôt pour travailler avec son père, il a dû compter que sur sa force physique et mentale pour se construire une carapace. Pareil pour la guitare, après des heures de labeur, il s'entraîne en solo dans sa chambre. En osant s'inscrire à l'émission de Nico Aliaga, il sait que c'est sa dernière chance de convaincre ses parents que c'est sa voix. La suite, on la connaît hein. Une publication partagée par Kenji Girac, @Kenji, nos amis de Public lâchent une exclusivité. Des sources qu'ils n'ont pas voulu divulguer, Soraya serait actuellement enceinte d'un second bébé. Après la venue d'Eva Alba, le chanteur s'apprêterait encore à goûter aux joies de la paternité. Sans jamais montrer le visage de sa minuscule princesse, il donne quelques brides de confidences dans les journaux. Il devrait malheureusement s'en contenter. Mais pas demain la veille que Kenji Girac la présentera de son plein gré aux caméras et encore moins au flash des paparazzi. Publication partagée par Kenji Girac, @Kenji, pour autant, le rival closé dément cette information. Frères vont encore plus loin puisqu'ils affirment qu'il y a un froid entre Kenji Girac et sa belle. Que s'est-il passé? Objeco a peut-être un élément d'explication à vous fournir. Article, c'est ici que je me sens le mieux. Bienvenue dans la caravane de Kenji Girac, le chanteur qui a sorti son 4e album, intitulé « Mi Vida », ce vendredi, a accepté pour la première fois d'ouvrir les portes de chez lui. https://t.co/c6-9way.pic.twitter.com/nkp8wp3pcxjfan @kanjifan, October 10, 2020. Il y a un an, le Parisien réalisait un reportage dans l'intimité de Kenji Girac. Introduction nous laisse songeur. Aux côtés de ses parents, Paul et Carmen, de son grand frère, Jesse, de ses deux sœurs et de ses trois chiens, pas de doute, la star est bien entourée. Mais où est Soraya? A-t-elle réussi à détrôner la fidèle caravane du chanteur? Lors des différents épisodes de confinement, il a toujours pris soin de s'y rendre afin de se sentir apaisé.
Comme quoi, même avec des voyages en première classe, des séjours sur des bateaux de luxe, l'ancien gagnant de la troisième saison de The Voice ne jure que par son engin à roues. Alors, à votre avis, qui aura le dernier mot parmi ces révélations? Est-ce qu'il nous dira enfin la vérité? Une chose est certaine. Ses fans se moquent de tout ça et n'espèrent que pouvoir l'applaudir sur scène bientôt. Au prochain épisode.